mwana mwasi na pesa ki ide moko l'autre fois na lo baki place bazo discuter na d'autres mwana mwasi ye moko il faut solana na baboti na ye fois ebisa maman en tout cas 2000 obotie zebele yo zo kansa na za ndenge na zalaka ndenge obotela na zawa eloko ze soute ata 400 bozo pwela na bana basi muzu tombo blanchi ti botie 3000 wala tombo blanchi mo bala zo nyoko boite noyé bourage zo tanga mais muto za wala 4 Mbote na biso bandeko balandi ya Congo Market Television, Congo Market Television, o tozwa bomesa na koyebisa biso ete za chaîne na bino ya ba professionnel, chaîne na bino ya confiance, boza ebele ya kolanda biso, bipai biso, bozwami na mikili ya Afrika, kuna misusu, bozwami na Europe, na Paris, na zomo na Naomi Odia, Rosette Masengu, boza na États-Unis d'Amérique, na zomo na Jude Kadima, Rachel Kelalu, Chansa Wangata, boza ebele, boza na Asie, na zomo na bino kuna ebele penza, boza awa na Kinshasa, bozo landa biso na na Yolo, na Mombele, na Makala, na Matonge, na Veme, na Kingabo ape ba ebisa inga bandeko balandaka biso ba ebele, bana Changu, boza ebele, bana ya Moamba, Funa Mobimba, bozo landa biso Lukunga, boza pena ebele bana ya Kanluka, bo ebele ya kolanda biso, bo sabone, comme toujours na chaîne Nabiso Congo Market Television pour na kolandaka ba information sportive et à la politique na au fond na koza na bakolo histoire to yambaka po na bino bato babongi bato pena ya mutuya surtout ba congolais de père et de mère to betaka masolo a tous étrangers na Congo Market oza le bienvenu to betama solo ya mboka mais lelo awa CMTV Sport, tu es à Mingi Masolo ya Sport. Il y a plusieurs actualités sportives. On a brossé les binoango dans quelques minutes. Tous en information, il y a l'Assemblée, Ezo Salema, Naba Club Nabiso, Assemblée Générale, DGC Salamaki, il y a Tout-Puissant Mazembe, il y a ASV Club, Torozongelango, tous en dossier Zao Matutala, vous voyez que Mazemba Bima champion pour na Lina Foot na Fekofa Ao. Mais pour na ASV Club, Mazemba za champion, te ASV Club a fundaki, a mimaki dossier na TAS, tribunal arbitral de sport pour Ekata Likamboyo. Tokoyok Sabino, avocat à ASV Club, l'avocat français, a défendre cause à ASV Club, kuna na tas, bokoyokae. Tokobeta li solo ya Jeux Olympiques, ou en Japon, na Tokyo, to solaka makambutali ba athlète congolais, na ba africain, ou basali, quelque chose, yamala mukuna. Tokoyok Sabino, ba mercato. Il y a des joueurs congolais, ou ya awa, na obazo évolué na mikili ya libanda, et bon, to ko soukisana, réhabilitation ya stade des martyrs, oyo ministre Serge a s'engagé déjà pour na kobongisa stade des martyrs. Assemblée générale, il y a ba club na biso, toza awa avec les tout puissants Mazembe, le tout puissant Mazembe Esengeli, Boye Baete, Mazembe, Asalaki, Assemblée Naye, Oyo, représentant ya Fédération Asalaki Kuna, Eza, Kombwe Kimi, rapport ya Assemblée ya Mazembe, Eza Boye, Esalamaki, le 24 juillet 2021, va retenir que c'était d'abord sous la supervision de M. Innocent Kibundulu. Hein, Innocent Kibundulu na kontia lina foot. Kombwe kimaki kombwe. Innocent Kibundulu na kontia lina foot. Yende a dirigé qui travaux ensemble na Emmanuel Kande et Bonaventure Ngoyi. Na présence, il y a Adolphe Kabamba, Moko Yaba, vice-président, il y a Fédération Congolaise. Kitenge, Azalaki,
et le rapport final est que Nakati a assemblée wana il a été retenu Frédéric Kitenge Kikumba est maintenu comme secrétaire ya club Pamphile Miyayo entraîneur principal Jean-Michel Kazadi chef du staff médical et le 38 membres de l'assemblée ba adoptaki makambuana. Voilà. Na deuxième partie, il y a rapport na kati assemblée. Nous devons signifier que Jean-Claude Muzungu yé andimami lokola secrétaire adjoint. Le délégué de la division de sport ba confirmé candidature ya Hilaire Kabila après consultation na assemblée tango ba voté Hilaire Kabila a gagné élection à l'unanimité avec 38 voix sur 38 né na souka balobi ete Hilaire Kabila aza élu secrétaire adjoint ya tout puissant Mazembe. Bon, on a eu l'Italie, SV Club de Kinshasa, Yepe Asalaki Assemblée Générale, rapport Oyo et Ponami Ezaboye, parce que j'avais noté, je dois vous lire ça. Rapport, premier rapport, c'est le premier point. Rapport moral et administratif, Kune Sengeli, pour retenir que bureau comité o elekaki ya tango fort batiki makambo tala ebele mais fort dommage c'est comme si elobama kité na élection ya mama Bessine Kazadi rapport à Liboso dossier 100 000 $ ya équipe ya Maroc Difa Al Jadida o esengeli V-Club a fouta. Parce que Bafunda qui a donné à FIFA, FIFA sanctionné V-Club. Donc, après ça, V-Club, en monde, il y a 100 000 et Sengeli Bafouta dans l'équipe marocaine, na cause, il y a transfert, il y a joueur Ricky Toulenge. Dossier 50 000 $, il y a Eric Bokanga. Balobé là qui a engopé. Dossier 400 000, il y a ba carte au bateka qui a ba membre ba carte de membre dossier 400 000. Deuxième point rapport technique et Sengeli bo kompoye ba été ASV Club a koti dossier pour na za tutala ma tutala zao kinyambi na tas na FIFA ne bazo zela pour na mambuya lena foot rapport financier année oitu kosi la ba recette na ba dépense ezaya ki na hauteur ya 3 145 000 $ ezaya ki bongo mbongo etambusa ki ve club saison passée 3 taka na rapport financier wana 3 145 500 $ ezaya ki reparti boye présidente et coordination, Mama Bessine Kazadi, yé atiaki 1 373 000 $. Basi Portes, 66 500 $. Transfert pour deux joueurs, Mongwe Kotisi, 50 000 $. Membre VIP, 49 000 $. Vodacom Ligue 1, 26 000 $. Caisse du comité sortant, 10 000 $. Y compris les contributions du gouvernement et les autres contributions de membres. 4. Rapport de cas de transfert. Bah, signalaki que, au cours assemblée générale, bah, signalaki transfert y a Bangala. Transfert y a Andy Bikoko. Il y a Moukoko Tonombe, il y a Tuisila Rosienne, il y a Jean-Marc Makusu, il
ne ba transfert oyo batangi. 5. Prévision budgétaire pour la saison sportive 2021-2022. Comité Oyo et prévoir 4 millions de dollars en recettes et dépenses. Voilà ce qu'a été Mobimba Tomonene ya Narolobanini ya rapport. Et là, qui est l'Assemblée générale, il y a ASV Club. Si Katoni Tobetali Solo, il y a dossier Zauma Tutala. Dossier Zauma Tutala, Tokolo Banabi Soboe. ASV Club a fondé qui na FIFA. Si ma CAF et Fédération Congolaise ont notifié Régé, il y a recours à ASV Club. ASV Club a joué qui ma Kambou, a Kenangona Tas. Balobi, Bakoui, continue te, Kotika désordre. Et continuer va perdre coach Nabango parce qu'il est déçu coach Florent Ibenge a tiki football congolais qui est au Maroc au Pessoye Toloba ba félicitations pour naye kuna na renaissance à Berkane coach a livré 4 matchs a gagné match à Liboso 2-0 yami balé 1-0 yami Sato a poli 3-1 à équipe ya ba bang Mukoko na Ifaso 4 matchs naé, coach a gagné 3-2. Bravo pour le coach Ibenge. Donc, Akei, ASV Club, non, nous ne pouvons pas tolérer le bêtise. Corruption na kacha fédération et tout li na foot corrompu. Biso tomemi li kambo. Na biso na tas, il faut bazong se la biso 9 points pour que tu célébré titre na biso. Voilà. Na tike la bino temps. Boyoka, rapport, ya Masolo et Bandeli, ya avocat, ya ASV Club, Oyo, Azo Landela, dossier, ya ASV Club, Kuna, Natas, vraiment, Mundele, Oyo, Alobi, a se battre, de manière que ASV Club a récupéré Masolo. Suivez, Monsieur Laurent Felou. Et Tozozonga sous la supervision, il y a DT Tite Kalambay. Suivez. Bonjour, Maître Laurent Felous. Vous êtes un avocat du sport. Comment pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Merci pour votre invitation. Je suis avocat en droit du sport notamment. J'exerce au barreau de Paris. Et puis, je représente les acteurs du sport, que ce soit les clubs, les joueurs, les entraîneurs, dans le cadre des litiges afférents à ces pratiques du sport. Alors, il faut savoir que l'arbitrage, c'est un mode alternatif de résolution des litiges. Donc, ça permet au litige, finalement, partie au litige, de conférer un pouvoir à un ou plusieurs arbitres pour trancher leurs différends. Le tribunal arbitral du sport, c'est une institution qui est assez ancienne des années, puisqu'elle a été créée en 1984. Et il faut qu'il y ait une compétence qui soit prévue dans les statuts. En l'occurrence, dans les statuts de la FECOFA, donc la Fédération Congolaise, il est expressément prévu que lorsqu'une décision définitive et contraignante est prise par la FECOFA, elle peut être contestée devant le TAS. On appelle le TAS, que c'est le tribunal arbitral du sport. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait dans le cas du dossier de la Zita Club, puisque ce club-là conteste une décision de la FECOFA qui a été prise à la suite d'une évocation. Alors, c'est un peu différent. C'est un peu différent du cheminement et de la procédure habituelle. Déjà, il y a un code assez particulier, c'est le code de l'arbitrage en matière du sport qui s'applique, avec des règles particulières applicables dans la matière pour notamment les échanges entre les parties. Ensuite, la différence, c'est que du coup, c'est les parties qui vont évoquer notamment le litige via le TAS. L'idée, c'est que c'est toujours le TAS qui va transmettre les informations à l'une des parties. Donc moi, quand je veux transmettre quelque chose aux parties adverses, je vais transmettre au TAS qui va transmettre aux parties adverses, ce qu'on appelle une procédure inquisitoire. Et puis pour le reste, voilà, au niveau de la procédure, bien évidemment, à l'issue des échanges, il y aura une plaidoirie, on appelle communément une plaidoirie, à l'issue à l'occasion de laquelle les parties pourront échanger et évoquer chacune leurs arguments respectifs. Alors ça, c'est assez variable. Il faut savoir que les procédures dans le TAS sont d'une durée
qui n'excèdent pas un an généralement, qui peuvent excéder bien évidemment un an, mais qui en fonction de l'urgence, de la situation, peuvent être réglés assez rapidement. Le TAS fait toujours en sorte que les décisions soient prises dans un délai, on va dire, raisonnable, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le cadre des procédures habituelles dans les tribunaux étatiques. Bien évidemment, à partir du moment où les statuts d'une fédération telle que celle qui en l'espèce prévoit qu'une que le TAS est compétent lorsqu'une décision définitive ou contraignante est prise, la sentence qui est prise, puisque l'on parle d'une sentence en l'occurrence, une sentence arbitrale, donc lorsqu'une telle sentence est prise par le tribunal arbitral du sport et s'impose aux parties au litige. Déjà, premièrement, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai évoqué, il y a une compétence qui est prévue du TAS dans les statuts de la FECOFA. Donc, à partir de là, c'est de mémoire l'article 68 des statuts qui prévoit que toute appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendue par le tribunal arbitral du sport. Donc, déjà, la compétence est bien claire et incontestable. Pour le reste, au niveau aussi du fond du dossier, il apparaît, à mon sens, que l'AS Vita Club ne pourrait être tenu responsable de la participation d'un joueur à des matchs, alors même que cette participation a été effectuée à la suite d'un accord express de la FECOFA. Donc on ne peut reprocher à un club la participation d'un joueur qui découle de la FECOFA, pour qu'ensuite la FECOFA prenne une telle sanction à l'encontre du club en question. Donc là-dessus, déjà, c'est un véritable problème de fond assez important, qui est même capital, et qui, à mon sens, nécessite d'être porté devant le TAS afin de faire valoir les droits les plus légitimes de l'AS Vita Club, qui a été privé du droit de célébrer son titre et même, du coup, de toutes les conséquences de la rétrogradation au classement, puisqu'elle passe, le club passe de la première à la troisième, place au classement. Et évidemment, dans tous les cas, comme je l'ai évoqué, déjà, premièrement, l'AS Vita Club a, dès le départ, été dupé, entre guillemets, par le club cédant, puisque, comme vous le savez, la finition de joueur a été effective en janvier 2021. Le club cédant n'a pas pris soin de transmettre à l'AS Vita Club les éléments à faire en joueur, si ce n'est ceux dont elle disposait. En tout cas, voilà, il y a une enquête en cours de la FECOFA, donc on verra qui en ressortira. Mais en tout état de cause, l'AS Vita Club n'avait pas connaissance du tel statut, a pris attache au code de la FECOFA afin d'avoir des éclaircissements. La FECOFA a informé expressément par un courrier écrit l'AS Vita Club qu'il n'avait aucune trace d'enregistrement antérieur. Donc à partir de là, l'AS Vita Club ne saurait engager sa responsabilité pour des faits dont elle a été clairement et expressément exonérée par la FECOFA elle-même, tout simplement. J'aime pas donner de chance de succès ou de probabilité par rapport au dossier, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Seulement, voilà, la seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'AS Vita Club dispose d'arguments sérieux, et quand l'État regarde ces arguments, l'État n'aura d'autre choix que de prendre en considération ces arguments. Écoutez, avec plaisir, j'espère que je pourrai vous donner d'autres informations au fur et à mesure de l'évolution du dossier, mais en tout état de cause, voilà, à l'heure actuelle, c'est ces informations que je peux vous transmettre, et au fur et à mesure de l'évolution, nous aviserons et nous pourrons éventuellement vous transmettre d'autres éléments par rapport à la suite et aux conséquences, bien évidemment, puisque c'est ce qui intéresse vos auditeurs, que j'informerai avec grand plaisir. Merci beaucoup, d'être Tite Kalambai Molongani à Mama. Grâce Kimia Mama, Mbote Nayo Bisikozali, mère double. Voilà, Boutu Golanda, avocat. Il y a ASV Club, Oazol Kumbela Masola, ASV Club pendant la tasse, Maître Laurent Felou. Sika, Tobet Ali Solo, il y a Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, Ozobet Amana Tokyo, Kuna, na Japon. Athlète congolais, Oyobake, les autres mondiaux, ils ont abandonné. On les a, na Mokonzi Moko Kuna, il y a FRDC. Aza président ya boxe. Aza président boxe, c'est comme si y enda cha loi. To lobi c'est comme si boy farde se auto kelenga na porte. C'est comme si y enda cha loi kuna. Mais to pe sa bino nanu nombre exact ya ba athlète na biso bazan na jeux olympiques ou ici bandaki kuna na Tokyo na Japon. Botala,
ma photo na bango wana ningezo bima, ils sont au nombre de 7. Bazana nombre 7 tozana 4 boxeurs tozana judoka moko taekwondo mutwa taekwondo pazawana donc bo monde bo banumona bilongi na bango au fur et à mesure ezo bima athlète aliboso abundaki pe a poli a RDC athlète abundi a poli ye bozo mona to bimisi nelongi komona ye Marcela Sakobi. Marcela Sakobi athlète aliboso Rupol ya omeme la biso de fait nasima na ye oya mibale a enregistré de fait eza bongo Mbaya Mulumba ye pe aza éliminé. Mbaya Mulumba ye pe aza éliminé box toujours. Donc voilà, il y a aussi Naomi Katoka Kasumpata. Yaze éliminé te. Yekuta bundi te. Ya kendaka représenté biso na taekwondo. Ala disqualifié. Disqualifié. Réseaux sociaux bwaki mambo belé. Que kuna ba organisateur à Jeux Olympiques ba remarqué que ala na zemi. Na ce qui fort, na ce qui fort. Comment moutou a kolongwa a ba organisation fédération taekwondo comité olympique na biso a ba yebi ke moutou a na zem ben ba ke na eti Japon de la RDC au Japon et puis po bouna na sport ni ya ba mbata bo ete ba bita lo malem te taekwondo mais les gosses c'est pas normal. Quand on marque la télévision de Toyeb Sarabino que tu kota kana source, tu quel Japon en esprit, tu kouto solo li na président olympique congolais, nda ebisi biso te ala na zemite. Poa e mati. Le jour même il y a combat. Tant a pesa ki déjà, c'était normal. Mais le jour à combat, tant wa ye, yaba mati e pesé. Poa et mati li sousou koleka. Ne, alala ki disqualifié. Donc, laissez de raconter des histoires à l'okuta. Oyo, bozo, meme la batouana. Donc, nous sommes en train d'attendre tozo zela ba kongole moussousou o batikali o esengeli babunda. Lokola Marie Brandsœur, moi en Allemagne, ou à Komanae, Congolais. Yende Tozozela. Voilà. Nous devons aussi vous signaler quelques bons pas de certains Africains. Le cola, monsieur Obomona. Yara, Tunisien, Araflaki, médaille d'argent. Quand même, c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Donc, voilà. Bah, information, tout ça, qui n'ango, y'a coupé Sabino Pona, Jeux Olympiques, y'ango, an. Sika Mercato, et Sengeli Boyeba. Dieu merci Mbokani, via Koli, via Koli, a signé 2 ans, na Koet Club. Ake Koet. Via Betis Angleterre, France, Turquie, Belgique, Tamboli, Mazembe, Bandakiawa. Sika a signé 2 ans na Koet. Tout dans la Nathan Idumba, sociétaire à FC Saint-Éloi Lupopo, a signé pour 5 ans en Afrique du Sud na City FC. Nathan Idumba. Yewana. Il y a aussi Parfait Mandanda. Lui signe officiellement pour 1 an na Excel
Mouscon, na Belgique. Il y a Glodin Gonda, tu es psa qui que ma solé comme il est bien na Amiens, mais Saliboué a signé na Lettonie, na Riga FC pour deux saisons. Pour deux saisons, na Riga FC. Il y a aussi Imbula, il signe officiellement na Portimonense, Portimonense, il est en Portugal. Imbula a signé Kuna aussi pendant deux ans. Il y a aussi Francis Kazadi. Maska Sengu a signé na Tanzanie, en Afrique. Alani, Mukoko Tonombe, Rosien Twisila, Juma Shabani. Francis Kazadi ye a signé pe Kuna. Il y a aussi Paul José Mpoku opa signé qui na Konya Sport na Turquie. Vraiment bon courage na bino banamboka banamboka. To sengeli pe ko signaler biso boy. Ba Leopard U23 ba kené ko beta compétition ya Sekafa ba longwe. Ba beti ka deux matchs na poule à trois pays. Ba beti deux matchs à Pamba. Match à Liboso Bapoli 1-0. Non, match à Liboso 0-0 na Uganda. Deuxième match Bapoli 1-0 na Tanzanie. Ce qui fait que Bazala éliminé. Tout le signalé bino que coach Florent Ibenge a enregistré troisième victoire na ye. Match à Liboso a gagné 2-0. Yami Bale 1-0. Yami Misato Apoli na Difa ya Mukoko Amale, autrement Abdi Soso na Ifaso Apolagi 3-1. Le 4 match na ye aéro gagnant ou 3-2 a gagné Fus Rabat de Maroc. Stade des Martyrs, réhabilitation. Le ministre Serge Nkonde a la déterminé de manière que Misale Sila très bien avant pour que l'éliminatoire ya mondial ou Ekobanda RDC toke betango na Lubumbashi te to betango na martyr stade auto yebi ya munene ya wana nde foto yamba na ma Lubumbashi ya mambo NT et un homme de père et de mère, de Zara qui est martyr, né vitrine ya RDC. Qui tala tala ya RDC na va stade, ya mounene. Oye koyi, koyamba batu, ata batu ba oko tanan te me, ouge beta match na va Lubumbashi. Moi ba yombo, et zala rebele, dobo mona, ba photo ya go, oyo ministre, apé sa ki pona, réhabilitation, il y a stade de martyrs. Voilà, ce monument Moutouezo Kitabouéza pour tout le caca. Moi, Oyo Tobongisaki pour Nayo, Toebisayo, Nomoni Tokitsi Totali. Voilà, Tokomi Awa Nasuka, il y a émission Oyo CMTV Sport. Tosengi Natata ministre, oui, martyr, oui, mais il y a encore du temps. Bazolo ba ke ba athlète o bazo pola kuna c'est parce qu'ils sont démotivés. Bazo kipe bangote basundoli bango. Donc balobi ke bazo kipe bangote ça l'effort. Balobi ke général o ya la police hein contrairement né na wa ya FARDC général Ilunga Luyoyo Ferdinand papa bana to ebiaza papa mutema boboto papa mutema malam. Pouve biso ke makamba olo ba pona yo kuna et le kouta qui va au Kosela pour biso to ndi maté do to lobi ango hein to confirmer té to lobi po bazoloba tata ministre tata mokonzi landela et comme na mato ya président té po président lobi union sacrée to sait la peuple to comme na suka ya CMTV Sport. Merci beaucoup à mon DT Tite Kalambay pour la réalisation.
y a émission pour y parler qui sima. Il y a caméra. Merci Nayo Beni Fombo pour le montage de cette émission. Aurélie Mouteba, l'assistante du boss. Salutations à toi, ma mère. Moi, je suis Marie. Je t'aime beaucoup, maman. Blessing Chibola Kalala. À très bientôt. Je chanterai pour toi. Joyeux anniversaire. Hein? Moi, d'août à Kalamingite. Yoko fete ayo. Moi, non, abotama. Moi, moko. Na papa. Dionite Kaninda, ami du changement. L'homme des valeurs. Merci. Bisiko Zali. Tolingara Omingi. Pona lelo, na souksi CMTV Sport Oyo, awa, $500, Daniel Mbao. Un habit, hein? $500, où est-ce que c'est? Je n'ai pas besoin de mari. Mais il y a tant que $500, tu l'as mis au foufou, pour nous. Il y a un handicap, nous, on est en on a la sagaïna tata bo kilo, donc on a bien les agarres et les pilipines. Soit il y a rebouetta, il y a retouta, volonté la mienne.